tremblement, lenteur des mouvements, raideur musculaire sont les principaux symptômes de la maladie de Parkinson. Cette maladie dégénérative du cerveau apparaît le plus souvent autour de 70 ans et plus. Rares sont les cas de patients atteints avant l'âge de 50 ans. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Il existe quelques signes annonciateurs de la maladie qui peuvent alerter la personne ou son entourage, tels qu'une moins bonne résistance à la fatigue, des difficultés à se concentrer et à réaliser des tâches quotidiennes assez simples. Mais aussi, de plus en plus d'anomalies génétiques favorisent l'apparition de la maladie de Parkinson. La maladie a de nombreuses expressions différentes au niveau des symptômes. Chaque patient présentera différents signes. Un certain nombre d'études ont montré que des facteurs environnementaux, y compris les pesticides, la pollution de l'air et les solvants industriels, pourraient augmenter le risque de développer la maladie. Il existe des traitements chirurgicaux et d'autres thérapies permettant de traiter les symptômes. La levodopa, carbidopa, reste le médicament le plus courant et le plus efficace et figure sur la liste modèle OMS des médicaments essentiels. Le 11 avril, journée mondiale du Parkinson, est une occasion au cours de laquelle le grand public est sensibilisé et informé sur cette maladie. Les populations de la MEI de la tranche indiquée plus haut sont donc invitées à prendre contact avec les médecins pour être orientées. Abonnez-vous à la MEI TV sur YouTube et Facebook pour vous informer.